Ancien sénateur Moïse Jean-Charles dans gros danger. Drone a sillonné toute la Kaili, sénateur, leader plateforme petite de Saline là, prend en pétrin, li obligé relais au secours. Yon l'autre bord gen ti nom de racine mapou, li fait voël pour pays sans chapeau. Secteur Vodoua prend gros frappe. Et yon l'autre bord dossier ZAM, l'église épiscopale d'Haïti a innové commissaire gouvernement Port-au-Prince là frappé pied li mette mandat kon youn nan responsable. M'gal bon tout détail et puis gen numéro 2 onion dans pays d'Haïti li rele compte moun qui continue à faire pillage qui a bloqué la rue Port-au-Prince coué province. Comment nous y est bouik la chargé qui t'aime déraper parce que m'pa gen temps pour m'perdi les bouik la chargé nous pa gen temps nous même pour nous bêtiser. Nous souhaitons que nous tout en forme leader petite de Saline là qui c'est Moïse Jean-Charles ces jours-ci qui a fait parler de lui en pile sur le plan politique. Monsieur Saha, li rele au secours. Monsieur A, li prend nan gros pétrin malais pendier sous la vie sénateur Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles pa ka dormi la caille parce que déboutant de nuit nan pral mette pied, gitan gen drone qui a sillonné la caille mouché Moïse Jean-Charles. Et Moïse Jean-Charles fait qu'on est gen yon dividal machine sans plaque qui a vinn nan zone nan k'a poser moun nan zone nan question si tout chauffeur moto en bas monsieur remarqué gen n'importe 6 drones qui a mettre contrôle en dan kay Moïse Jean-Charles yo connaît tout va et vient tout ça qu'elle a fait en dans la caille. Monsieur a relé, monsieur a crié, li mandé avec responsable yo, li mandé avec la police pour dégager le coup avec Jean-Jacques. Ça t'est passé dans Pèlerin Kay Jovenel là, li pas souhaité le passer. Li t'a parlé à travers Radio Méga, li bay en pile détail, bon permettre wal kouté sénateur Moïse Jean-Charles qui t'a bay plus explication concernant ville qui en danger. On a écouté, m'a tourné par la suite. Haïtien, ma ville, au moment difficile, chaque soir, chaque 6 jours, et même avant hier encore, gagné 6 drones. En 3 ou 4 occasions, gagné une machine sans plan qui était campée dans la zone Bella, et gagné une qui était mettée dans la zone. Radio Méga. Les drones qui ont sillonné nous rectifier. Six drones ont tout détaillé nous, côté nous habiter. Et qui ont des lots aux environs côté nous habiter. Pendant 3 occasions, nous avons posé dans ce sens, il y a une machine sans plaquion. Qui fait camper, voit terrain football Bayamata, qui a questionné jeune garçon qui a fait taxi moto dans la zone et qui a pas descendu en dessous, même jour, excusez-moi, jeune garçon pas d'accord. Et pendant 3 fois, nous avons même mon qui a même descendu, drone, avoyer ou bien planter juste avec un six drones qui était autour de Kainon et qui deux autres qui étaient aux environs. Soit Radio Méga nous prend plaisir pour nous dénoncer Jean de Assange. Nous avons choisi ces provocations, ces intimidations. C'est pas ici, hein? Radio Méga. C'est pour nous connaître. C'est ça l'interdit. L'interdit, qu'est-ce qu'il nous l'interdit, qui était nous l'interdit, économie nous. C'est pour nous casser des tournées, pour nous plonger en bassin. Salut les sommes misérables, sommes qui est les ingérences, sommes, salut les préjugés, pour les faire des visites. Pour nous lever avec victoire, pour nous lever avec la vie. Merci beaucoup. Les Haïtiens, nous profitons sur antenne. Reste mes dents. Dans le micro-journaliste Zenet, Romanes, pour me dire, payant,
j'en ai intimidation ça yo, nous va prendre yo. Et okay. Par tout quoi je fais tout, dénoncer, yon sénateur grenon, pas attaquer on sait des mouns dans le grand. Et m'a dénoncé tout, j'ai ta police capa ici avec SDPJ, mon qui est responsable, policier yo, a tiré à hauteur d'homme sous population haïtienne, qui est en plus haïtien, y compris Okaï, y compris Jérémy, y compris Jacques-Mel, et même dans la capitale là. Merci beaucoup, sénateur Moïse. Des sénateurs yo, qui mettent des directeurs police général là, des sénateurs yo, qui mettent des directeurs police au haïtien, ressaisis-nous, ressaisis-nous, marchez-nous bien fort, les gros actes qui posent comme ça, dans n'importe qui côté qui n'en pays. Merci beaucoup. Mobilisation, il y a continué aujourd'hui, mais en partie les dit, et le 28, ça peut le gâter dans tous les quatre pays pour nous répondre. C'est que c'est un enseignant pour montrer nous, c'est pas haïtien, mais c'est pas mal. Ça vous fait bagaille. Merci beaucoup, sénateur. T'es content de parler ça avant? Comment? Merci beaucoup, t'es content de parler avant? Allez, arrivez sous moi. M'pense que nous tendez sénateur Moïse Jean-Charles qui t'a expliqué qui menace la ville gagne journée aujourd'hui. Qui t'aime rappeler? Qui t'aime boire petit déguisa pour m'apprendre nous pour on l'autre fois? Moïse Jean-Charles, leader petite de Saline là. Après ces voix menace, dans moment mission ensemble avec peuple li a, yo té mandé pour yo bouler banque yo pour question dollar. C'est dans moment Moïse Jean-Charles mandé pour peuple là monter barricade bien ou. C'est dans moment Moïse Jean-Charles a attaqué gouvernement en place là, l'a mandé départ sans condition mouché Ariel Henry. C'est dans moment ça yo que mouché Moïse Jean-Charles après ses voix gros menace. En tout cas, allez là, il déjà lancé et message là, je pense qu'il est déjà arrivé dans les oreilles responsables aussi tout France LB pour le faire, ça qui est important. L'autre détail, l'autre information qui m'a dit, nous connaissons François Fortuné, Bonol qui c'est. Alors, ça c'est Bonol, mais non, c'est qui c'est Tinom, qui c'est frère Azor. Nous songez que Azor qui t'aime à l'âge de 46 ans, nous songez tout le bagaille, Azor dans la racine Mapo avec Tinom. Bon nom qui c'est François Fortuné, c'est Odé qui te créé groupe Racine ça. Racine Mapou joue en pile vaudou, de wap tande l'ou pas capable prendre loi. Après de fin perdi Azor, nous te remarqué que pas gen moun encore qui t'avle prendre la relève après Tinom. Tinom te commencé bien propre, li d'après gen yon maladie qui tombe sous lit, qui sa maladie a c'est insuffisance rénale. Li t'ap souffri avec maladie a, li pat ka campé vrai. Non groupe la pour te bay performance li pour te continuer faire travail que Azor te kon fait dans secteur vaudoua. Eh bien malheureusement nouvelle là li déjà publié li déjà simayé nous perdi Tinom. Tinom fait vrel pour payer sans chapeau après tout temps qu'elle te fait li tap goumé ensemble avec maladia. Mais nous connaît comment yo traité artiste dans pays en pile artiste a fait hit mais parfois pas aucun actif sous compte pas aucun petit bail on prend pas gain l'argent vrai yo pas encadré yo c'est dans objectif ça famille à moment famille Tinom famille François Fortuné a demandé solidarité pour permettre Tinom capable enterrer dans dignité. Peut-être ça, il y a deux numéros de téléphone qui sont disponibles. Je suis obligé de partager ensemble avec les gens qui sont habitués à Jaret dans le secteur Vaudou. Les gens qui ont un travail racine pour faire dans un temps. Eh bien, numéro A, il parle l'autre que 42 30 26 41. Son GMT plus 509 devant. Deuxième numéro A, c'est 47 79 58 45. C'est deux numéros qui sont capables de rentrer en contact ensemble avec petit Tinom pour faciliter, pour porter solidarité, pour porter cotisation nous pour enterrement Tinom capable de faire et n'a fait ça avec un pile respect parce que son un gros bout de tonton nous perdit là. Son pied m'a pour tomber dans le secteur vaudoua. Ah, vraiment compliqué. Bagala vraiment en pile. Qui t'aime tout ou non? Dans question ZAM que nous connaît l'église épiscopale d'Haïti indexée.
question, on prend valet bagaille te joindre dans la douane conteneur rempli à craquer. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là qui c'est Jacques Lafontaine, li lagué yon mandat pour maré pote vini des présidents permanents l'église épiscopale d'Haïti a qui pote nom Jean Madoche Ville. Yon met mandat ça qui gagne comme infraction reprochée trafic d'armes et munitions qu'elle a fait dans pays d'Haïti. Et m'a rappelé nous gagne divers l'autre membre ou bien responsable l'église épiscopale d'Haïti qui yon maré dans même objectif là. Il y a des gens qui n'ont pas l'État et alors la justice déjà. Et cette fois-ci, le commissaire gouvernement Port-au-Prince m'a demandé pour marrer Père Sa, qui c'est Père Jean Madocheville, qui c'est responsable, capable de dire président permanent de l'église épiscopale d'Haïti. Qui te rappelle, où le dossier ZAM et munitions dans le pays d'Haïti, c'est pour un bagage qui facile dit tout non pour aborder. Nous n'avons pas pensé dans le complot, oui. En tout cas, quitte la justice fait travail li, parce que bon Dieu dit lui-même, l'orel pi fait noir, c'est jou qu'elle pral jou. En tout cas, bagala vraiment compliqué, pas oublier pays d'Haïti là, nan moment, la konnen on paquet et gros frappe, manifestation a fait nan tout la coin, tout côté net, Port-au-Prince koué province, moun yo a mobilisé malgré mouvement fonti cassé, mais semblerait-il que bagay sa plus préoccupé les États-Unis d'Amérique. Ni plus préoccupé à terre américain yo parce que numéro 2 nan oni nan pays d'Haïti dame ça li parle yo rele Ulrika m'pa konn tout bon nom mais c'est sous nom ça qu'elle parle qui ça le fait konnen li mandé pour nous camper kounya même pillage avec attaque que n'a fait nan mobilisation que n'a tamé là li mandé pour nous camper des choukay. Lui mandé pour nous camper c'est un pillage que n'a fait dans institution publique coué privé yo parce que piller a fait moun c'est pas solution en ça. C'est ça que il Ulrika numéro 2 ONI dans pays d'Haïti fait qu'on est. Elle lui dit encore mes chers amis qui donc les n'a fait gens des pillages si là yo des choukay conséquence là c'est nous même qui pral payer si tout moun actuellement qui dans le besoin c'est comme ça que dame n'a parlé mon cher bagala compliqué bagala vraiment drôle lui dans moment parce que les États-Unis d'Amérique li prend dossier ça comme si c'était dossier pâle et tandis que n'a regardé mon cher Ariel Henry lui-même li coude bouche li bagala ça pas trop intéressé sinon qu'elle dit nous poser plate ti blada bagala vraiment compliqué m'a dou ça tout moi même bon m'explique Jean pays a est là. Les mandés font en pile prudence. Là, m'a parlé sous dossier Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, me souhaite que responsable yo prend déclaration li yo. Prend menace que l'a sibi yo parce que dans moment moral Moïse Jean-Charles pas en forme parce que l'a mené en bataille et bataille ça au monde qui valait danger qui engendrer. Au monde qui valait danger qui entourer. Le fait que l'a sibi menace, intimidation, 6 drone. Ab si on est en lè la kayli pour gen contrôle la kayli pour gen contrôle rentrer le sortir mettez sous sa machine qui pa gen plaque a fait zone a poser moun qui habite dans zone côté Moïse Jean-Charles vive là a poser aux questions mon cher ça son gros frustration comme qu'on est France El Beto ça va manger dans bol personne nous souhaiter qu'elle fait travail comme ça droit moi souhaiter que mon cher France LB prend responsabilité pour voir comment il est capable de sauver le leader plateforme de Dessalines pour ne pas passer même avec ancien président Jovenel dans l'époque mouché comment le encore bien l'ancien DG la police là oui Léon Charles le Léon Charles était là et député de Colline il y a donc monsieur Brian Nichols qui est donc le secrétaire d'État aux affaires hémisphériques du département d'État qui apprend Haïti très bientôt et Kabil Ankeril en fait de la situation et à qui soit capable d'attendre nous ben à qui ça moi capable d'attendre moi l'arrivée éventuelle de Brian Nichols écoutez
ma foi, c'est pas le retour du Christ, malheureusement, puisque c'est pas ni première ni deuxième fois qu'il y a des délégations américaines du département d'État, du Congrès américain qui rentrent en grande pompe en Haïti. Ils ont rentré avec un discours que c'est aux Haïtiens pour que yo joignent solution entre eux-mêmes la crise là. Mm-hmm. Quelque part nous le savons il y a tiré code là eux-mêmes que c'est Mounio Vléa qui pourrait être ou bien c'est Mounio Vléa qui pourrait être. Mm-hmm. Est-ce que finalement avec évolution situation à bon changement souhaitons-le, c'est ça nous espérer, mais honnêtement, nous pas quoi, c'est le retour du Christ, l'arrivée prochaine de Brian Nichols. Nous souhaitons tout simplement que yo fait preuve, j'en ai toujours dit, de compassion, puisque peuple haïtien comprenne, en tout cas parmi ces prédateurs, malheureusement, États-Unis la donne. Donc, dit ça très clairement. Donc si maintenant yo entendent changer de position, de paradigme pour que yo permette effectivement qu'il y ait une solution qui pour aider à la stabilité, créer les conditions pour élections organisées pour que pays reprenne cap normali, nous t'a félicité ça. Donc attendons voir. Très bien. Merci en pile, député Abel de Gonin. À bientôt. Merci. Bien. Bon, OK. Et j'espère que nous entendez bien ça que je vais dire là. Si tout va sur le, et pour le mieux, si tout va marcher bien, sénateur Joseph Lambert est allié à retirer le pays dans ce lieu là. Et avant ce qui est déjà fait avec sénateur Joseph Lambert, Montana peine 11 septembre, entre guillemets, SDP, Kadoura, Petite Dessaline, pas grand pile chance pour Dr. Henry encore. L'important pour nous comprendre que je dis, il est de l'intérêt du pouvoir, de l'intérêt du Premier ministre Ariel Henry pour continuer à faire lobby, que ce soit sur le plan national et international, pour qu'arrêter au pouvoir. Comme dit hier, on a analysé la sortie du sénateur Lambert. Et ça a vu une certaine compréhension parce que, selon moi-même, il fait appel au dialogue. Mais il dit que c'est un dialogue, il faut qu'il parle avec le sénateur, avec Ariel Henry quand même. Or, ce n'est pas le cas. Il n'a pas parlé avec le docteur Ariel Henry. Mais il parlait avec SDP, il parlait avec l'accord en septembre. Mais qui dit en septembre, dit Ariel Henry. Moi, dit tout que, il n'a pas une position claire parce qu'il n'a pas demandé ni pour Ariel Henry aller, ni pour le retirer. Bon, bien entendu. C'était pas ça pratiquement la démarche. Débat ça c'est que c'est pour l'annoncer nation hein. Vu que le défend déclaration dans émission matin débat. Il a dit que Liban en délai de 15 jours si les partis en présence, il va jouer un consensus et que le Sénat pral venir avec une position. Et bien la sortie du sénateur Joseph Lambert, c'est pour l'annoncer que il va entamer une série de dialogues avec des entités politiques pour aboutir à un consensus. Pour sortir pays dans sa nouille là. Là, je me dis tout à l'heure, lecture pas conviction personnellement, opinion personnellement, il fait quoi que par aucun jour pour aller en rireté. Maintenant, proposition quoi avec sous table là? On conseille de 6 membres ou bien de 5 membres là, avec Dr. Henry Capete comme premier ministre, son proposition de l'équipe du pouvoir même, Cap Vanni. Et yo parlé avec plusieurs acteurs politiques. Dans ce sens ça et pouvoir voyer proposition ça bay blanc. Parce que blanc mandé pouvoir, il dit pouvoir ou en faiblesse. Il dit docteur Henry ou en faiblesse, faut dégager au fond Jean. Et ça nous est comme proposition qui sous table à savoir un conseil de gouvernement ou bien un conseil de transition de 6 membres. C'est l'équipe de Ariel Henry personnellement qui a fait promotion là, avec bien entendu Arnaud Descartes qui pratiquement dans tête qui a fait promotion. Et c'est lui qui a voué Baye Blanc tout. Elle dit que l'équipe de Ariel Henry reconnaît qu'il y a une faiblesse, il reconnaît qu'il y a un problème, il reconnaît qu'il y a deux pas de quitter le pouvoir. Maintenant le sénateur Joseph Lambert est allié Montana Pen Petite Dessaline entre autres parce que le texte il y a donc devant moi. Le sénateur Lambert dit que le bail 48 heures. Et j'ai l'impression que
peut-être plus tard ou même demain, parce qu'il est déjà dans les 48 heures, mais ça qu'il va dire, madame, monsieur, mais ça qu'il va présenter à la nation haïtienne. Pour une solution haïtienne à la crise, information. Cadre pour un consensus national entre les acteurs politiques, économiques et sociaux. Grand A, les partis politiques et organisations consultées. Cet accord pour un consensus politique national est supporté par les représentants et représentantes des principaux pôles politiques et sociaux regroupés autour des signataires. Signataire de l'accord du 30 août, dit Montana. Signataire de l'accord du 11 septembre, Kadoa, PHTK, Allié, SDP, Rassemblé. Signataire du protocole d'entente nationale élargie, PNGRE. Signataire de l'accord unitaire d'Haïti et des regroupements comme Solidarité pour le développement solide. Signataire de Petite Dessalines, autre parti et regroupement de partis non signataires d'accord, RDNP, Union Haïti, Toutouni, des acteurs de la société civile, CAJ, CNSCAF, FONSO, FONSOC, le Sénat de la République et le pouvoir, le Sénat de la République et le pouvoir en place. Oh, comment est le pouvoir en place? Non, c'est le draft du texte qui t'a doué en fait texte final là. Élément de consensus. Au terme de plusieurs séances de travail, un consensus commence à se dégager autour des points suivants. Le Haut Conseil de transition avec certaines attributions du président de la République. Certaines. Le gouvernement de transition. L'autorité de contrôle, la mise en place d'un conseil électoral provisoire impartial, la révision de la constitution, la reconstitution sur une base consensuelle et transitionnelle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et de la Cour de cassation, la feuille de route du gouvernement. C. Structure de la gouvernance. La structure de la gouvernance de la période de transition comprend un exécutif composé d'un haut conseil de transition et d'un gouvernement présidé par un premier ministre. Qui pape Ariel Henry, ça nous clé sous lui. L'autorité de contrôle de l'action gouvernementale, le pouvoir judiciaire rétabli par la reconstitution temporaire du CSPJ et de la Cour de cassation. 1. Au Conseil de la transition. Mission. Définir les grandes orientations de la période de transition autour de 5 grands chantiers, à savoir la sécurité nationale, la conférence nationale et la question constitutionnelle, le redressement économique et la sécurité alimentaire, l'état de droit, les élections pour le renouvellement du personnel politique, garantir la continuité de l'État, assurer la stabilité et le bon fonctionnement des institutions républicaines et des représentations diplomatiques, participer à la formation du gouvernement de transition inclusif avec le Premier ministre, définir la politique étrangère du pays, nommer en consultation avec le Premier ministre les envoyés extraordinaires et plénipotentiaires, chargés d'affaires et consuls généraux, les directeurs généraux, les conseils d'administration des organismes autonomes de l'État, les délégués et vice-délégués départementaux et arrondissements. Mettre en place le comité de pilotage de la conférence nationale. Assurer le suivi et la mise en œuvre des dispositions de l'accord du consensus politique national. 1.2-composition. Les membres du Haut Conseil, au nombre de 5 dont au moins une femme, sont désignés sur la base des critères
établi par les signataires de l'accord du 30 septembre, du 30 août, Montana, les signataires de l'accord du 11 septembre, les signataires de l'accord unitaire d'Haïti, les parties non signataires, les signataires de l'entente, les signataires du protocole d'entente nationale élargie Pengré, le secteur privé des affaires, la société civile. 1.3. Fonctionnement du Haut Conseil de transition ACT. Les membres élisent un ou une coordinateur coordonnatrice du ACT avec le titre de président de la République. Les membres ont rang de haut fonctionnaire de l'État, disposent d'un cabinet technique et margé du budget de la République. Chaque membre du Haut Conseil anime un chantier stratégique. Les décisions du Haut Conseil sont prises par consensus. Au cas où le consensus ne peut pas être trouvé, on procède par vote à la majorité simple. Les membres du Haut Conseil de transition ne peuvent en aucun cas prendre part aux prochaines élections à titre de candidat. Les membres du Haut Conseil de transition définissent les règlements internes de l'institution. Point 2. Le gouvernement de transition, petit a. Le Premier ministre est désigné par les partis signataires de l'accord de consensus sur la base de critères définis. Le Premier ministre forme le gouvernement en concertation avec le Haut Conseil de la transition. La commission principale du gouvernement est d'organiser. La mission principale du gouvernement est d'organiser dans un délai de 18 à 24 mois des élections inclusives, transparentes, pour transmettre le pouvoir à des autorités légitimes. Dans ce cadre, le gouvernement doit redresser l'administration publique, garantir le fonctionnement des institutions juridictionnelles et établir un climat de paix sociale propice à la tenue de la conférence nationale et des élections. Là, on a parlé de 18 à 24 mois et c'est ça qui dure le mandat de celui qui doit exercer César. Le Premier ministre conduit la politique du gouvernement et met en œuvre la feuille de route annexée à l'accord du consensus politique. Les ministres, les responsables des représentations diplomatiques et des organismes autonomes seront choisis sur la base de critères appropriés. Des mécanismes et dispositions spécifiques seront définis afin de garantir l'impartialité, la transparence et l'objectivité dans la gestion des institutions publiques. 3. Autorités de contrôle de l'action gouvernementale. 3.1. Mission. A. Contrôler l'action gouvernementale. Donner avis favorable de conformité avec l'accord du consensus politique, la constitution et le cadre légal sur décret pris par le gouvernement avant promulgation. Organiser des audiences publiques des responsables du gouvernement sur des sujets d'intérêt général. Valider la désignation ou la nomination des envoyés extraordinaires et plénipotentiaires, chargés d'affaires, consuls généraux, membres de conseil d'administration des institutions financières publiques et des organismes autonomes. Participer à la procédure de nomination de juges à la Cour de cassation. Initier au besoin la procédure pour combler les vacances dans les institutions indépendantes. Veiller au respect des lois et de l'éthique dans la gestion de la chose publique. 3.2. Composition de l'autorité de contrôle. Les sénateurs en fonction, additionnés de 17 à 20 personnalités désignées par les partis signataires. L'autorité de contrôle reste en fonction jusqu'à l'installation des sénateurs et députés issus des élections. Tous les membres de l'autorité de contrôle ont le statut de contrôleur d'État. En cas de décès, d'incapacité physique ou mentale d'un membre, le groupe d'origine pourvoit à son remplacement. Le membre de l'autorité de contrôle qui désire participer aux prochaines élections doivent démissionner dès l'installation du CEP. Là, Walouen, le membre de contrôle là, ou alors il y a des sénateurs. D'ailleurs, c'est 10 sénateurs qui sont là. Et il y a bien plus haut démissionné, plus capable à l'élection sur ce deal. 3.3. Fonctionnement de l'autorité de contrôle. Fonctionnement d'assemblée, quorum, décision par vote. L'autorité de contrôle ne peut en aucun cas constituer un élément de blocage. Oh bon Dieu, on va mettre du temps avec ça. Organiser des audiences publiques. On a bien avancé là. À la procédure de nomination de juge de cassation. On a les trois. Ok. Composition de l'autorité de contrôle. Les sénateurs en fonction. Non, moi ça déjà. Ok. Et très bien.
Ok, fonctionnement de l'autorité de contrôle, fonctionnement d'assemblée, quorum, décision par vote. L'autorité de contrôle ne peut en aucun cas constituer un élément de blocage de la machine de l'État. Elle dit, mon cap là, il n'y a pas qu'à constituer un blocage, de la machine de l'État. Ok. Aucune procédure d'interpellation du gouvernement ne peut être entamée durant la période de la transition. Il n'y a pas qu'à interpeller le gouvernement, non? Non, on va y voir ça. Dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, l'autorité de contrôle peut, cependant, après consultation avec l'ULCC, l'UCREF et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, inviter un ministre à fournir des éclaircissements sur des actes qu'il aurait posés dans le cadre de la gestion de son ministère. Le cas s'applique également pour les conseils d'administration des institutions financières publiques, ceux des entreprises publiques, des organismes publics et autonomes, ainsi que pour les directeurs généraux des 10 organismes. L'autorité de contrôle adresse les résultats de ces investigations avec ses recommandations au Haut Conseil de la Transition. Pouvoir judiciaire. Une procédure consensuelle sera établie entre le HCT, Haut Conseil de Transition, et l'autorité de contrôle pour contrôler temporairement, pendant la durée de la transition, les postes vacants à la Cour de cassation, au CSPJ et dans tous les tribunaux. Les juges ainsi nommés restent et en fonction jusqu'à l'installation du président et des parlementaires issus des prochaines élections. D. Éléments de feuille de route du gouvernement de transition. 1. Libre circulation des citoyens, des biens et des services sur le territoire. Renforcement de la capacité opérationnelle des forces de sécurité du pays. Sécurité des vies et des biens par l'éradication des groupes armés et rétablir un climat d'apaisement dans les anciennes zones de non-droit. Faire la lumière sur les crimes financiers, ça c'est Petro-Caribéa. Faire la lumière sur les crimes financiers et les crimes de sang perpétrés. Donc, et s'assurer des décisions de justice contre les. Aïe, 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 ok, pour me voir, d'accord, on allait. Les juges ainsi nommés resteront, ok. Élément de feuille de route de transition. Très bien, on allait. Faire la lumière sur les crimes financiers et des crimes de sang perpétrés et s'assurer des décisions de justice contre les auteurs de ces crimes. Garantir l'approvisionnement régulier du marché en produits de première nécessité, dont les produits pétroliers. Lutte contre le trafic illicite, la contrebande et l'insécurité. Contrôle effectif par l'État des ports, aéroports et postes frontaliers, renforcement de la capacité de perception de l'administration générale des douanes et de la direction générale des impôts, fiscalisation des recettes des organismes autonomes APN, AAN, OFNAC, etc., redressement de l'administration publique, lutte contre le clientélisme, renforcement de la supervision bancaire et surveillance, renforcer des transactions au niveau des études de notariat. 3. La question constitutionnelle, la conférence nationale. Dans les 30 jours après son installation, l'exécutif de transition crée et installe le comité de pilotage de la conférence nationale rattaché au Haut Conseil de transition. La question constitutionnelle et le système des partis politiques seront traités de manière prioritaire dans l'agenda de la conférence nationale. Un mois après son installation, la conférence nationale ou le cas échéant, le comité de pilotage se prononcera sur l'opportunité d'un amendement constitutionnel qui en aucun cas ne peut modifier les acquis démocratiques portés par la Constitution de 1987. Les amendements peuvent porter sur 3.2.1- la révision du système électoral, l'harmonisation entre la version française et la version créole de la Constitution, 3.2.3- bon fonctionnement des trois pouvoirs, l'harmonisation des mandats pour diminuer la fréquence des élections, articles 63, 68, 92, 95, 134-1. Un allègement de la procédure d'amendement de la Constitution, article 282 et suivant. Mise en place d'un comité d'experts chargé d'élaborer un projet de constitution amendée. Adoption du projet de nouvelle constitution par une assemblée constituante. Ratification de la constitution par voie référendaire. Organisation d'élections inclusives, crédibles et démocratiques. Mise en place d'un conseil électoral provisoire et partiel. Profil des membres à proposer. Mécanisme impartial de désignation des membres.
mode de désignation des membres du conseil électoral provisoire à partir d'un panier initial de 15 à 20 personnalités sélectionnées sur des critères de notoriété et de compétence. 3 membres désignés par le conseil par le secteur politique, 3 membres désignés par le secteur économique, 3 membres désignés par la société civile, audit technique du système d'identification des citoyens par l'ONI, audit technique et administratif de l'institution électorale, élaboration d'un nouveau décret électoral, réorganisation et mise en œuvre du processus électoral, institutionnalisation et financement public des partis, E. Disposition transitoire, calendrier d'exécution de l'entente nationale. 1. Engagement des protagonistes à consentir des sacrifices mutuels. Engagement du pouvoir en place à respecter le calendrier de mise en œuvre de l'entente. Trêve politique de la part de l'opposition pour faciliter l'exécution du calendrier de l'entente. 2. Calendrier d'exécution de l'entente, première semaine après la signature du protocole. Publication par le gouvernement en place de l'arrêté de création du Conseil de la Transition. Prestation de serment des membres du Haut Conseil de la Transition. Installation des membres du Haut Conseil de la Transition dans ses bureaux. Deuxième semaine après la signature du protocole. Arrêté de nomination du gouvernement de transition. Prise de fonction des membres du gouvernement. Troisième semaine après la signature de l'entente. Nomination des juges à la Cour de cassation. Prise de fonction des nouveaux juges. Nomination des membres du Conseil électoral provisoire. Quatrième semaine, prestation de serment des membres du Conseil électoral provisoire par devant la Cour de cassation. Prise de fonction des membres du Conseil électoral provisoire. F. Disposition finale. La feuille de route et le chronogramme font partie intégrante de l'accord du consensus politique national. Impartialité et objectivité des membres du gouvernement de transition. Les membres de cartel des collectivités locales qui veulent se porter candidat doivent démissionner avant les élections. Le gouvernement peut procéder, après approbation du Haut Conseil de la Transition, au remplacement des cartels des collectivités locales rendues dysfonctionnelles, démissionnaires ou coupables de fautes administratives documentées. Le gouvernement de transition ne prend aucune disposition pouvant engager la responsabilité des autorités qui seront issues des élections. L'autorité de contrôle de l'action gouvernementale est dissoute dès l'installation des élus issus des prochaines élections, madame. Ça, c'est la proposition du Sénat. Et en aucun cas, sa tête, le président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert, avec bien entendu ses alliés, les signataires de l'accord de Montana, accord PEN. Accord 11 septembre SDP, Kadoa, Petite Dessaline, PHTK, avec tout l'autre accord qui pratiquement donc est rentré donc dans la démarche là. Accord Unité d'Haïti la donne. Accord Unité d'Haïti la donne. Union de Canada la donne. Oui, et tout uni donc de Pascal Adrien la donne. OK? Maintenant, proposition ça, c'est mettre en place un haut conseil de transition avec bien entendu et privilège. Alors certains privilèges. Ok, et qu'on puisse d'être capable de gagner. Ok. Et puis, avec un nouveau premier ministre qui part à Ariel Henry. C'est ça la démarche du sénateur Joseph Lambert, madame, monsieur. La donne gagne Petite Dessaline, comme nous, le sénateur Moïse Jean-Charles, a fait promotion lui-même dans notre conseil. Mais c'est vrai que c'est de même conseil ça que l'a parlé. Maintenant, si tout le bagage allait bien, pas gagne dossier Ariel Henry encore, même dans le pays. Bien entendu, Ariel Henry. Il va le représenter par l'accord du 11 septembre SDP en dedans pouvoir ça. Donc voilà, madame, monsieur, c'est ça pour nous retenir et n'a pas de temps pour nous connaître. Est-ce que ça peut arriver? Maintenant, l'équipe au pouvoir, Ariel Henry, qu'on a fait lobby eux-mêmes. Avec une autre. Avec une autre proposition qui est là-dedans tout, il y a un haut conseil de transition avec 7 membres, mais 6 membres. Avec le maintien du docteur Ariel Henry. Le maintien, justement, de docteur Ariel Henry comme premier ministre, là-dedans. Et c'est doit eux, c'est ça qu'a fait là dans le moment là. Mais tous les deux côtés, blanc marché, ni sans pas Ariel, parce que Ariel, comme c'est le même qui l'a comme premier ministre, il y a un blavel. Et puis blanc lui-même tout avec sénateur Lambert plus toute équipe là, pour garder qui Jean, ça qui est plus facile pour le pays. Dans ce sens, ça a gagné. Barry Nichols, qui est secrétaire d'État aux affaires hémisphériques du département d'État, Carbon Haïti très bientôt là pour venir évaluer la situation. Et c'est de là qu'on connaît donc ça qui va passer pratiquement, madame, monsieur, dans le pays. Donc le texte est disponible. Texte comme Libanon là, c'est un draft.
probablement qu'il y a peut-être gagné quelques petites modifications, mais il est clair que nous parler là dans la transition entre 18 mois à 24 mois. Même plus quoi que si le cas 18 mois qu'à 24 mois, si le cas 24 mois qu'à 18 mois. Donc elle dit question élection, on a parlé de l'IA, nous pour qu'on élection que jusqu'à la fin du mois de jusqu'à la fin de l'année 2024. 24, ouais. Que effectivement l'équipe de Ariel Henry était vrai comme si Kembe pouvoir jusqu'à 2024, j'ai comme te dit ici jusqu'en 2025, j'ai comme te dit ici. Donc à l'émission Matin Débat. Maintenant, toute bataille nous est là, c'est sous ça. Maintenant, est-ce que là on va le grand pas connait, mais déjà faut que me dise que le pays a lock tout côté. Il y a quelques petits passages qui baillent la mairie nettoie quelque côté même.